Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la rubrique Profil Hebdo, yon condensé actualité semaine. Nous avons démarré avec le marché change pour nous faire connaître. Taux référence BRH là, pour journée 9 décembre 2023, c'est 132 gouttes 10,42 pour yon dollar américain. Taux moyen acquisition, ça qui est le TMA, pour journée 9 décembre 2023, d'après calcul Banque Centrale Tabli, à 132 gouttes 72,71 pour yon dollar américain. Sous marché informel là, pour journée 9 décembre 2023, dollar américain négocié à 133 gouttes à l'achat, d'après sa banque centrale fait qu'on est, et il y a 136 gouttes 25 à la vente. En demande, dollar négocié à l'achat à 131 gouttes 50,70 et à 132 gouttes 72,71 à la vente. On regarde ensemble qui j'en s'atteye sous marché matière première. Prix baril pétrole avec index WTIA augmenté à 2% pour fermer journée vendredi 8 décembre à $71.26. Pour mois octobre 2023, c'est département Nord, Sud et région transversale là qui a enregistré plus gros inflation. Ça veut dire 24.3%, 24.2% et 24.1%. Selon sa IHSI te fait qu'on est. Région qui te connaît inflation qui pi bas, qui veut dire 20.5%, c'est région métropolitaine qui gagne la donne commune Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Carrefour, Tabac, Cité Soleil à Croix des Bouquets. Région reste l'ouest là, qui gagne la donne département Sud-Est à l'ouest, sans zone métropolitaine Port-au-Prince là, suivent avec une augmentation 23.6%. Ça fait des années depuis offre travail dans pays États-Unis tombé dans un niveau qui très bas. Pour qu'on y a, il y a à peu près 1.3 jobs qui disponibles pour chaque monde qui pas travail. D'après données Bureau et statistiques travail qui était publié mardi. C'est offre travail qui disponible qui plus bas depuis mois mars 2021. Ça a prouvé refroidissement qui gagne dans marché travail aux États-Unis. D'après rapport octobre BLS là, sous ouverture à pouvoir travail. Mastercard vise renforcer capacité petite et moyenne entreprise PME dans Amérique latine et Caraïbes pour 2024 comme pionnier dans monde dans la question innovation et technologie. Nous avons un pile opportunité. Mais pour 2024 là, nous pourrons concentrer nous sur PME yo, parce que y aurait des secteurs qui pi plus pas exploité ya, et puis nous pouvons gagner un paquet de produits qui pral capable et des business sa yo grandi. C'est ça Dalton Falls, directeur pour pays Jamaïque, Trinidad, Barbade et Caraïbes, laisse la te déclarer. C'est là nous mettons un bout à profiner tout pour semaine ça. Merci parce qu'on t'a écouté. Rendez-vous cassé pour week-end prochain.